Est-ce que ce maquillage hyper léger et facile à faire avec des produits qui sont pas chers du tout vous intéresse pour sublimer votre visage pour les soirées d'été ou pour un mariage ou pour une fête de famille ou simplement pour prendre un petit repas au barbecue avec vos petits-enfants, donner de la lumière à votre visage? Et oui, on a tous le droit à tout âge, mais surtout pas d'interdit après 60 ans. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, on va commencer ce maquillage. Ça vous fait plaisir? Allez, c'est parti. Nous allons nous maquiller ensemble pour un maquillage très très simple pour l'été. Alors évidemment, vous n'allez pas vous maquiller si vous allez à la plage, mais mettre bien vos protections solaires, c'est indispensable. SPF 50 maintenant pour nous. Je vous mets la vidéo là pour les solaires. Et par contre, le soir, bah, c'est mieux d'avoir un petit teint un petit peu plus joli. En même temps, on fait nos soins, etc. Et puis, on va donner de la luminosité à notre visage. Et puis, si on veut se maquiller le jour, c'est permis. Alors, vous prenez vos propres produits. Moi, je vais vous indiquer comment faire. Là, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, horrible. Donc, quand même, la luminosité est là. Donc, automatiquement, je vais mettre un SPF quand même. Mais je vais peut-être pas mettre un SPF 50 comme celui-ci. Je vais peut-être mettre un SPF, allez, on va dire 30, voilà, ou 25, je sais plus. Oui, 25. Mais vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est de vous montrer les techniques qu'on peut faire. Moi, j'ai un fond de teint. Je vais prendre un qui est un petit peu trop foncé pour moi si je le mets seul, et je vais le mélanger avec ma crème, ce qui va me faire une crème teintée. Voilà. Oh là là. Là, j'en ai mis trop, là. Tout à l'heure, j'en avais pas assez. Maintenant, j'en ai trop. Voilà. Alors, je vais en enlever parce que quand c'est trop, c'est trop. OK. Et je vais prendre ma crème. Et je vais mélanger ma crème du jour. Voilà. Avec mon fond de teint. Ça donne ça. Alors. Je dis, c'est bien pour moi, là, au point de vue teint, c'est bien. Moi, je vais l'appliquer à la main. Attention à la racine des cheveux. Surtout quand on a les cheveux clairs. Là, on va en mettre sous les yeux. Ça va peut-être éviter de mettre de l'anti-cerne. Alors, par contre, je vais sans doute remettre une petite deuxième couche, parce que comme c'est une crème, automatiquement, je la masse davantage. Ou même pas, je vais pas en avoir besoin. Voilà, mais je vais avoir, j'en ai pris beaucoup trop, hein, je vais avoir une crème teintée. Et le teint, vous voyez, c'est assez léger, on voit la peau en transparence, ça ne dissimule pas un bouton ni rien du tout. Unifie, on va dire, la peau et ça donne un peu de couleur. Ensuite, vous avez des cernes. Donc, il va falloir mettre quand même un petit peu d'anti-cernes. Vous n'en avez pas, eh bien, en principe, en été, on en a moins, donc vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais prendre simplement une CC Ace de Herborian, qui est quelque chose qui prend la couleur, en fait. Vous voyez, c'est blanc. Mais quand je vais l'étaler, là, j'en ai mis un peu beaucoup, hein. Mais je vais l'appliquer. Voyez, ça dissimule un petit peu, mais tout en légèreté. C'est une CC crème. Les CC crème, c'est très très léger. Mais en été, ça peut être une solution. Vous avez aussi la CC crème d'Herborian qui est vraiment
très très bien, ou la BB Cream, pour en crème teintée pour l'été. Alors après, vous poudrez ou vous poudrez pas. Vous avez une peau sèche, ça brillera pas. Vous avez une peau mixte à grasse, surtout grasse en été pour moi, ça va briller. Donc j'ai besoin de me poudrer le soir. Pour donner un peu de couleur à votre visage, et moi je pense que c'est indispensable, surtout quand on est un petit peu plus bronzé, on a tendance à avoir un petit peu pas de relief sur le visage, tout est bronzé, donc c'est un petit peu tristounet, je trouve, surtout le soir. Vous avez des petites poudres ou des blush crème. Alors moi, vous savez que j'aime pas briller, donc le blush crème, j'ai beaucoup de mal. Mais vous avez des petites poudres comme ça chez Sephora, de diverses coloris, qui sont très très sympas. Et vraiment à pas cher, alors que vous avez aussi le petit miroir. Donc moi, c'est ce que je vais mettre. Celle-là, je l'adore. En plus, donc je vous mets les liens en bas. Je vais pas mettre trop de poudre dans mes rides. Je vais plutôt mettre sous ma joue. Et j'adore de plus en plus. On dit qu'il faut pas le faire. Mais moi, j'aime bien mettre là. Et je mets sur le nez, aux endroits où on attrape le soleil. J'ai pas dit coup de soleil. J'ai dit soleil. Alors, vous pouvez remonter aussi un tout petit peu sur le front et le menton pour faire un effet grand air, bonne mine. Et pourquoi pas sur vos paupières si vous n'avez pas envie de vous maquiller davantage. Déjà, ça donne bonne mine. Vous êtes d'accord? Alors, je ferai mes sourcils après, parce que le but, c'était effectivement, vous savez que les sourcils, c'est indispensable, surtout quand ils commencent à être blancs, etc., pour donner de l'expression à votre regard. Mais bon, là, j'avais envie de vous dire, on fait bonne mine. Les lèvres. Si j'ai des rides autour des lèvres, je mets un crayon en silicone. Il existe une crème super efficace de chez Lotika, qui est une crème anti-rides. J'aime bien parce que j'ai mon linge qui sèche. Il y a eu un orage cette nuit. On avait des amis à la maison, donc j'allais pas leur dire excusez-moi. Il faut que j'aille ramasser mon linge, non. Puis je bon vie en plus. Donc j'ai mon linge qui sèche là, hein. Sauf qu'il pleut à verse. Donc oh quel temps, franchement. Bon, on va pas se désoler, hein. La levée, je le fais. Par contre, je déborde un peu au-dessus, moi, avec mon crayon. Et je ne vais pas, je descends pas trop bas. Toujours avec un coup de crayon ascendant plutôt que descendant pour pas faire encore la lèvre qui chute davantage. Voilà. Et je vais tout de suite mettre le rouge à lèvres. Alors, je vais vous en présenter plusieurs. Moi, je trouve qu'ils sont très jolis chez Sephora. Surtout celui-là. Je vous mets le lien en bas. Dans la petite barre, il y a un plus. Vous cliquez sur le plus, vous allez voir, ça se déroule. Et là, vous avez toutes les informations. Alors, je ne vous dis pas qu'ils tiennent très longtemps, hein. Mais c'est joli. Alors, j'ai celui-là. Et alors, moi, je le mets par-dessus un rouge à lèvres mat, souvent. Et ça fait très joli, parce que ça, c'est le même coloris que mon mat, et ça donne effectivement beaucoup de luminosité. Vous avez aussi celui-ci. J'en me suis acheté deux. Celui-ci est rose. Voilà. Je vous fais un swatch quand même pour que vous puissiez voir. Le rose. Et celui-ci. Deux tons très différents. Et il y en a plusieurs. Ils sont vraiment tous très très jolis. Sephora. Bah, il fait beaucoup, Sephora fait beaucoup d'efforts maintenant pour le maquillage. Moi, au début, je n'aimais pas du tout leur maquillage. Et tout compte fait, ils ont un maquillage qui est quand même de plus en plus
bien, vraiment bien, et à petit prix. Et même les palettes, elles sont bien. Alors, moi, vous savez que j'aime quand même avoir le rouge à lèvres assez soutenu. Donc là, je reprends mon Kimberley Rose de chez Gucci que j'ai acheté chez Sephora. Je pense qu'il est en rupture de stock, grâce à moi, sûrement. Il faut que j'en rachète un. Dès que je le vois, je le rachète parce que je suis tombée in love de ce rouge à lèvres. Voilà. J'aime le rose parce que c'est doux. Et oui, on peut avoir un petit peu plus pêche et un rouge à lèvres rose. On n'est plus dans les non-dits. Alors, les sourcils, bah oui, il faut les faire. Vous les faites comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer les sourcils déjà faits parce que ça sera l'occasion de refaire une autre vidéo pour les sourcils. Vous voyez, comme les sourcils, ça change tout. On a plus d'expression. On a un regard plus tonique. Vraiment, ça change tout. Pour les paupières, vous avez de jolies paupières, toutes uniformes, vous avez de la chance. Donc moi, avec mon vitiligo, elles ne sont pas uniformes. Donc je suis toujours obligée de me les maquiller. J'aimerais bien ne pas me les maquiller, mais ce n'est pas possible. Donc pour l'été, qu'est-ce que vous avez? Alors déjà, moi, du bleu. Alors là, franchement, un crayon bleu chez Nocibé, 3 francs 6 sous. Je m'en mets dans la muqueuse supérieur. Ça va redonner de l'éclat à mon blanc d'œil, qui est plus jaune. Enfin, plus jaune. Je suis en bonne santé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il est moins blanc que quand on est enfant ou quand on est jeune femme. Et j'en mets là. Tout de suite, ça donne du peps à mon regard. On peut aussi mettre une base à paupières. Il y a des chez MAC, vous en avez. Oui, alors celui-ci, je ne sais plus s'il existe encore, parce que sincèrement, je l'avais acheté en Grèce l'année dernière. Ceci dit, c'est pas vraiment ce que j'aurais aimé prendre. Si j'en reprends une, ça sera pour une ombre qui sera claire, c'est-à-dire dans les roses ou dans les beiges. Dans les roses, j'aime assez, hein, ça donne toujours... Mais enfin, voilà, ça, c'est une... Voilà, mais vous pouvez aussi ne mettre que ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que bon, je vous fais un swatch. C'est un coloris neutre qui va avec tous les regards. Vraiment tous les regards. Et qui est très joli aussi. Je ne sais plus s'il existe. Parce que vous savez, les trucs qu'on trouve à l'étranger, quelquefois, ça n'existe plus en France. Hein. Donc voilà, et déjà, c'est pas mal. Là, si je fais par exemple mes cils. Alors, vous avez ce mascara, moi, que j'adore, The Love Lift de chez Sephora, mais vous l'avez en waterproof. Moi, je n'utilise pas le waterproof. Pourquoi? Parce que quand je vais à la piscine, je ne fais pas mes cils, donc ou à la piscine ou à la mer, hein. Je ne fais pas mes cils, donc je m'en fiche en quelque sorte. C'est vrai que j'ai pas des cils qui sont non plus ridicules, donc je peux très bien ne pas les maquiller. Et puis, je fais des cures de Revitalash, moi. Donc, on reprend. Je ne fais pas mes cils, mais vous avez du waterproof. Et pourquoi je prends pas le waterproof? Parce que, bon, bah, c'est bien. S'il fait très chaud, ça va pas couler. Donc, c'est superbe. Sauf que, bah, moi, je trouve que ça abîme un petit peu les cils. Et de plus, il faut un démaquillant un petit peu gras ou spécial pour le retirer. Alors, je voudrais vous parler de ça. Parce que je ne sais pas si je vais me maquiller avec de ça. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Mais je veux vous la montrer. Elle est sortie chez Botti White. Et vous l'aviez tellement demandé, on a remonté les infos et youpi! Elle est là! Regardez comme elle est mignonne. Elle est plus en blanc, donc elle se salira beaucoup moins. Elle est superbe. Regardez ce chef-d'œuvre. Il y en a 6! Alors, bien sûr, c'est vous qui les choisissez, les 6. Hein. Un petit miroir. Hop, on enlève. Vous voyez, c'est tout neuf, hein. Et on a le miroir pour se maquiller en vacances. Et vous choisissez chez Botti White les fards que vous voulez. Il en faut 6 pour cette palette. Moi, c'est ce que j'avais choisi. Et moi, c'est ma palette préférée. Ceci dit, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi enlever tous vos fards,
parce que vous avez ce petit objet-là qui touque, ou une aiguille, hein, peu importe si vous perdez celui-là, pour justement enlever vos phares et en mettre un autre. Ce qui est super, c'est que c'est magnétique, donc vos phares ne tombent pas. Donc franchement, moi je vous invite à aller voir Beauty White, parce que quand ils sont les mats, ils sont à moins de 5 €, et quand ce sont les pailletés, en quelque sorte, ils sont à 5 € et des poussières. Moi, j'ai choisi ce gris, que j'adore, parce qu'il est légèrement bleuté, c'est un gris qui n'est pas violent. J'ai choisi ce mauve, parce que j'adore me maquiller en mauve. Alors, c'est un mauve gris aussi, il est beau, hein. J'ai choisi ce mauve beaucoup plus foncé, ben oui, pour faire un petit trait d'eyeliner. Voilà. Et en pailleté, j'ai choisi ce bleu qui va avec le gris et qui est magnifique. Bleu rose un peu. J'ai choisi ce vrai gris qui est un argent. Beau, hein? Ah, ils sont superbes. Et ce doré que j'adore. Et ben voilà. Donc, je vous mets les noms dans la barre d'infos. Ça vous plaît? Mais vous avez plein de coloris. J'aurais pu mettre un rose. J'aurais pu mettre... Alors, ce qui me manque là, j'aurais pu mettre un fard beige. Beige blanc. Pour pouvoir justement faire ici, le coin interne, etc. Donc là, j'ai mis une petite... Alors, une autre solution aussi, vous avez des crayons. Et vous en avez chez Oettinger. Oettinger. Je ne sais pas comment ça se prononce, qui sont de super crayons. Vous en avez plein de coloris, et justement, bah, on va en mettre un peu. Je remonte toujours mon regard. Quand on a les paupières qui tombent, il faut remonter son regard. Vous avez aussi, hein, je vous présente tout là, hein, des crayons Zoeva. Zoeva. Eh bien, je le trouve très joli chez Zoeva. Je vous montre aussi. C'est un argent, hein. Mais il est très très beau. Là, je vais pas le mettre parce que j'avais dit un maquillage léger. Et si ça continue, ça va être un maquillage pas léger du tout. Mais par contre, je vais vous mettre un tout petit peu de gris argent ou du bleuté. Du bleuté, allez hop! Je vais prendre mon petit bleuté avec mon doigt. Je vais mettre au milieu de ma paupière. Et je vais venir doucement au début. Et là, je ne vais même pas prendre un pinceau, je vais simplement j'adore, ça donne tout de suite un peps au regard, j'adore. Et là, je vais en mettre un tout petit peu là. Tout petit peu là. Il me manque juste là une petite ombre plus claire pour mettre sous mon sourcil. Vous en avez sûrement chez vous. Moi, je vais aller en chercher une, mais je vous dirai pas le nom parce qu'il y en a dans toutes les marques. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter davantage? Ben non, moi, je ne vais pas en rajouter davantage. Mais vous pouvez reprendre votre crayon bleu si vous en avez envie, maintenant que le mascara est sec, pour redessiner un tout petit peu. Ras-cils. Voilà. Et pour moi, c'est suffisant. Bon, allez, je vais me donner un petit coup de peine quand même. Pour vous dire bonjour et pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu, ça va vous donner des idées. Et dites-moi alors, qu'est-ce que vous faites pour les soirées d'été, vous, en maquillage? Mais oui, ça m'intéresse, beaucoup même. Tout ce que vous me dites m'intéresse. Je lis tous vos messages. C'est vrai que je dois en louper quelques-uns parce que j'ai plus de 250 messages tous les jours sur tous mes réseaux sociaux. Donc, obligatoirement, j'en loupe. Donc, vous avez aussi mon adresse mail. Si vous avez une question très personnelle, pas personnelle, bon, ok. Si vous avez une question
Vous voyez que je ne réponds pas, eh bien envoyez-moi un message privé. Là, c'est plus simple parce que effectivement, je vois davantage, je ne peux pas louper et je vous répondrai parce que j'ai franchement, je pense, beaucoup répondu depuis 13 ans à toutes les questions. C'est plus difficile maintenant parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses, mais en tout cas, nombreuses ou pas nombreuses, c'est à vous que je pense et j'ai envie effectivement de pouvoir vous renseigner si vous avez des questions à me poser. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.